qui reste à charger là? Ah ben vous en mettrez dans vos pieds là ou entre vous derrière. Voilà, Guillaume, je te les confie pour qu'ils rangent leurs affaires et puis dans un quart d'heure, on se retrouve là. Ok. Eh ben. Bienvenue ici. C'est la ville Dieu, c'est chez nous. Et quand je dis nous, je vous inclus dans nous. Et nous sommes un peu ici comme l'équipage d'un bateau, tous solidaires, tous responsables les uns des autres. Alors très rapidement, je rappelle, le but de ce stage, c'est le pont, qui va de la prison à la liberté, en passant par-dessus le marécage constitué par toutes les raisons, les unes ou les autres, qui s'opposeraient à une sortie réussie s'il n'y avait pas le pont, l'accueil de la famille. J'ai vu le cas, t'as qu'à retourner d'où que tu viens. L'accueil de l'employeur, on a vu le cas souvent. Où étiez-vous l'année dernière? Oh ben j'ai fait des conneries, j'étais en prison. On vous appelle pas évidemment. Alors les copains avec lesquels on va se consoler, c'est l'alcool, ou bien la drogue pour se consoler. Et c'est le besoin de fric. Et dans les deux cas, ça vous ramène ici. Alors la solution elle est quoi? Elle est bien vivre ensemble, il n'y a pas d'autre. Mais comment va-t-on y arriver? Ça, c'est un vrai problème. L'équilibre entre les deux, voilà. L'extrême centre. On en reparlera en équitation. Les trois, ils ont fait l'armée ensemble. Si l'armée armée, t'as vu, c'est carré. Hein. Il est quoi? Il est gradé. Il est colonel. Il était. Ouais, il a fait la guerre là-bas. En Algérie et tout. Il a dû voir des trucs pas beaux à voir, t'as vu? Ouais. Vous connaissez le raisonnement des artilleurs. La queue de trajectoire. Je veux que l'obus arrive à cet endroit-là, sur cette maison-là, sur ce char-là. Donc, on va régler le canon en hauteur. On va régler la charge, on va régler en direction, de façon à arriver là-bas. Et pour nous, c'est un peu pareil. Tout ce qu'on nous demande, c'est la catapulte. C'est de les remettre sur la courbe. Et une fois qu'ils seront sur la courbe, nous ne pourrons plus rien sur leur trajectoire. Mais ils partiront avec l'acquis qu'on leur aura donné. Et qui peut-être viendra compenser les manques antérieurs. Les manques de réflexion, peut-être d'affection parfois. Oui, je crois que là, vous touchez un problème crucial qui est l'affection. Alors, j'y suis assez sensible et autant comme tout à l'heure, on parlait de l'armée. À l'armée en temps de guerre, on ne peut pas se permettre de verser dans l'affectif. Hein, il faut une discipline de feu. C'est totalement différent. Ici, je pense que notre contact avec eux est différent de le contact qu'on aurait avec les hommes de troupes. Je crois qu'il faut les prendre en affection. Et je pense qu'on leur a fait comprendre ce message. Ils se sentent, si vous voulez, respectés. Ils se sentent respectés, voire aimés, affectivement, quoi, au sens biblique du terme. Et ça, c'est un réconfort parce que je pense qu'ils ne connaissent pas trop ça. Et c'est surtout pas en prison qu'ils apprennent les liens de l'affection. Il n'y a pas de relation affective, je pense, entre un surveillant et des prisonniers. Ça arrive sûrement. Il y a des surveillants qui ont un sens humain très, très profond. Je vous rappelle qu'un parallélépipède rectangle, c'est à l'identique d'une boîte de sucre, si vous voulez. Donc, je vous demande le volume de ce parallélépipède rectangle, sachant que la hauteur est égal à 39 cm.
La largeur, petit L, est égale à 41 cm. Alors maintenant, dans les longueurs au trot et dans les largeurs au pas. Moi je suis rincé, hein, sérieux. Mais t'as assez de... Oh, faut laver, oh non. Ah ouais. Oh, il faut les tendons. Faut les tendons. Oui, le précédent était bien aussi. Hein. Oui, bon, là, il y en a eu de bien moins agréable. Ils sont sympathiques. Oui, oui. Mais le précédent, bon, peut-être moins vivant. Moi. Oui, non, là, oui ils c'est sont... vrai. Ah, il s'exprime, il n'y a pas de doute. Bon. Ils s'expriment mal, mais ils s'expriment. Et ils écoutent et ça les intéresse. Oui. Je ne sais pas très bien. Bon, je crois qu'il faut le faire, mais qu'est-ce qu'il en reste? Le fondement de mon enseignement, c'est de leur expliquer le pourquoi des choses. Et des choses et leur contraire. Oui. Alors, je reviens un peu en arrière. Là. Enfin, il y a un mot que je n'aime pas beaucoup, c'est le mot tolérant. Sans vouloir vous choquer, parce que pour moi, il ne veut rien dire. Ça veut dire tolérer, je baisse les bras, je passe l'éponge, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. D'ailleurs, pas forcément. Comment? Pas forcément, enfin bon, mot tolérance, pour moi, est très ambigu. Respect. Comment? C'est plutôt le mot respect qui serait intéressant, respect de l'opinion. Alors, non, tandis que moi, je dis, ce qu'il ne faut pas, c'est comprendre les gens. Oui. Pourquoi ils ont fait ça? Et à partir du moment où vous avez compréhension de ce qu'ils ont fait, la haine s'efface. Alors l'effet, par exemple, qu'on a commencé à l'Israël, alors tout de suite, ils étaient contre le Premier ministre, non, ils ont raison de foutre des bombes, et ceci. J'aurais dit, là on s'arrête. Pourquoi les Israéliens font ça? Bon, peut-être pas bien, mais pourquoi? Les camps de concentration, vous n'avez pas entendu parler non plus? Ah, j'en ai pas parlé, là. On ne peut pas parler. Mais, et à partir du moment où on voit pourquoi les gens, c'est comme un autre sujet que je leur ai fait aborder, comment naît une dictature. Alors, il ne faut pas partir du principe, c'est le fait d'un salopard qui a voulu prendre le pouvoir et tout, il faut savoir pourquoi il est arrivé à cette situation. Parce que parfois c'était une solution qui était la seule solution au départ. Alors, comme je dis, une dictature... Ça commence bien, ça finit mal. Mais il y a un moment, les gens la réclament. Donc, c'est okay, un avantage, disons. Vous avez peur quand même. C'est qu'il n'y a pas de. Dans le communisme idéal, il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, tout le monde a du travail. Mais calcul rien, quoi. Socialisme. Des fois on parle de... Eh bien, c'est l'avantage, le côté positif, c'est aussi d'éviter les gros monopoles, d'avoir en main la production, et libéralisme, gros avantage, c'est la grande possibilité d'utiliser l'intelligence individuelle de chacun pour faire des choses dynamiques. Alors, au point de vue négatif, eh bien, communisme, c'est quoi au point de vue négatif? Ben, c'est qu'en fin de compte, tout le monde a du travail, mais personne ne travaille. Je caricature un peu. Hein? Parce que rien ne m'appartient, à quoi bon labourer un champ qui ne m'appartient pas? Hein? Alors, ben, j'y vais, mollo, pour gagner mon petit salaire, mais je force pas. Hein? Donc, c'est pour vous dire. C'est bien beau, le communisme, mais ça a ses limites. Alors ça va bien chez les moines, ou je ne sais pas où, mais enfin, il faut être un saint pour travailler un truc qui ne vous appartient pas. Hein? Mon Dieu, bénissez-nous, bénissez ce repas. Apprenez-nous à répandre autour de nous la paix et la joie. Amen. Ça n'est pas marrant d'être maton, d'être gardien. Et en fait, 8 heures par 24 heures, ils sont eux aussi derrière les barreaux. Ils sont eux aussi loin du soleil. Je préfère être chômeur. Ils sont en semi-liberté. Ils sont, oui. Et c'est un rude métier.
Non, mais c'est comme partout, il y a des cons partout. Il y en a qui. Il y en a des cons, il y a des gamins. Il y en a, ils sont intelligents, puis il y en a, ils sont cons. Voilà, c'est toute la différence. Et j'en connais qui étaient intelligents. J'ai connu un directeur de la prison de Lisieux. L'adjoint était en train de lui parler de détenus et il en disait du mal. Alors, quand il est sorti, le directeur se tourne vers moi et me dit il les aime pas. Il avait l'air désolé. Dans la bouche d'un directeur de prison, ça vous étonne pas? C'est bien quand même, non, ça. C'est une critique. De dire de son adjoint, il les aime pas. Ça prouve que lui, il les aimait. Vous apercevrez que tout homme est récupérable. Tout homme est... Tout homme est récupérable. Est récupérable, je suis tout à fait de cet avis. Nous, on a la partie belle, on en a cuite, qui sont déjà sélectionnées. Mais quand vous avez dans ces prisons des gens à mine patibulaire et peu recommandables, je ne sais pas si on peut toujours créer des liens d'affection. Je pense que si. Nous avons peut-être un peu une mission de prophétisme, de temps en temps, les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de n'importe qui, sans parler de religion. Bah, ils sont là, ça aurait pu être moi aussi, aussi bien, quand je revois un peu ma vie. Des bêtises, enfin bon. J'ai pas envie de tuer ma mère, mais quand même, on peut... on peut se dire, bah, on est sur le fil de rasoir. Hein, à 20 ans, on suffit d'être entraîné par un camarade ou une chose comme ça, bon... Bah. Donc, soyons modestes, ils sont là, moi, ça aurait pu être ma place. Il a oublié la ligne d'arrivée, ça fait déjà 3 points. Le cavalier est éliminé, il n'a pas passé la ligne d'arrivée. Il n'a rien écouté, c'est tout à fait dans son tempérament. C'est dommage, le parcours était bien, mais, écoutez-moi bien, quand un cheval a fait une faute, il mérite une sanction, on ne cravache pas un cheval pour le faire sauter. On le cravache s'il n'a pas sauté. Aussi bon.